Le marché de Noël de Sirstal prend de l'ampleur. Auparavant, l'événement organisé par l'interassociation du village ne comptait qu'un seul stand, celui de Bernadette Guibert. Elle confectionne chaque année des décorations qu'elle vend au profit de l'association Enfants Espoir du Monde, une association dans laquelle sa sœur a été longuement engagée. Avec sa fille Séverine, Bernadette a voulu poursuivre son action. On ne voudrait pas lâcher parce qu'elle s'est donné vraiment du mal à mettre tout ça en place. Et donc voilà, donc on continue en mémoire aussi de ma tante et de la sœur. Voilà. L'association vient en aide aux enfants en grande précarité dans des pays défavorisés, notamment Haïti. L'an passé, la vente réalisée par Bernadette Guibert ainsi que les bénéfices de la buvette de l'interassociation ont permis de récolter près de 3000 euros. Cet argent participe au fonctionnement d'écoles, de cantines ou encore de centres de soins. On le fait avec de bon cœur et puis à mon rythme, quoi, comme je peux. Et voilà. Et si on aime le faire, ben c'est que du bonheur et c'est pour une bonne cause. Aux côtés du stand de l'association Enfants Espoir du Monde, des artisans locaux venus de la commune et des alentours présentaient leurs créations. Le soir, un concert était proposé à l'église de Sirstal au profit de Caritas Moselle, qui aide les personnes en situation de précarité dans le secteur.